Et regardez-moi ça, elle est pas belle cette map. Bon, alors bienvenue pour ce nouvel épisode sur Arboréal, sur la créa-aventure. Et voyez, on a quand même pas mal avancé depuis le début qu'on fait tous ces épisodes. Donc on a notre petite zone ici pour aller vers les racines. On a notre petite boule incassable, on a une belle vue par ici, on a des beaux nuages. C'est superbe. D'ailleurs, les nuages sont réapparus. Je les avais désactivés à l'origine. Mais pour la petite histoire, en fait, j'ai complètement crashé mon ordinateur. Et j'ai même failli perdre la map. J'ai eu beaucoup de chance de le retrouver. Merci Windows de faire des sauvegardes. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à retrouver la map. C'est cool. Donc, j'ai un chouïa avancé pendant que vous étiez pas là. Mais vraiment un chouïa. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Rappelez-vous, la dernière fois, le dernier épisode, je m'étais un petit peu trompé. Alors, on monte chez le magicien, car j'ai été vérifié donc sur le livre. C'est une copie du livre que j'avais mis au début. Donc, on avait bien dit que c'était un magicien. On va l'appeler comment? Le sorcier. Et j'ai donc modifié mon petit livre. Donc ici c'était marqué le magicien. Je l'ai modifié en sorcier. Voilà, on parle de sorcier. Hop, et voilà, allez parler au sorcier. Donc ça, j'ai modifié ce livre. C'est le livre qui est là à l'origine, qui explique un petit peu l'histoire. Donc regardez, j'ai changé le titre, je crois que c'était pas ça. Et l'auteur, c'est Bay Raoul le Grand. Donc notre ami Raoul ici. Contrairement à avant, c'était By le Steph, et ça je l'ai changé avec un petit logiciel qui s'appelle NBT Explorer ou NBT Edit. Vous savez quoi, à l'heure où je vous fais ce petit épisode, je vous ai pas encore fait le tuto, mais je compte vous faire un tuto qui durera 5 minutes sur ce petit logiciel. Je vous le mettrai en lien, vous savez quoi, en lien à la fin là, quand pendant le générique de fin, vous aurez qu'à cliquer dessus et puis vous irez au tuto si ça vous intéresse. J'ai pu modifier ce livre, normalement c'est pas possible. Et j'ai modifié un autre truc. Alors, ici, rappelez-vous, dans les options, ici c'était bloqué. Voilà. Donc maintenant j'ai débloqué, c'est pareil avec le petit logiciel NBT Explorer qui marche très bien. J'ai fait ça en 2 secondes 9 et voilà. Donc ici, on va refermer. Et on va s'en aller vers le début de l'épisode. Et aujourd'hui, on va... alors, je vous ai déjà dit qu'on avait terminé les racines il y a un ou deux épisodes de ça. Alors, pas tout à fait. Disons qu'on a terminé ce niveau-là des racines. Maintenant, il va être temps de faire le petit parcours pour nous emmener jusqu'au bâton de l'équilibre. Et donc, rappelez-vous, on arrivait par là. Ici, c'est l'entrée où il fallait poser la clé. On arrivait par là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de son. Ah, si. On arrivait par là et ici, on avait arrêté notre histoire ici. Donc là, on va faire des passerelles. Alors là, c'est le moment de se poser la question. Par où est-ce qu'on va? Je compte utiliser ces trucs-là. Faire des sauts. On va faire des trucs un peu compliqués hein, cette fois. Parce que là, on arrive au niveau du bâton. Et je pense que le bâton, on va le planquer à l'intérieur de ce truc-là. Et il faudra après remonter par... Alors attendez, on va mettre une croix juste pour être bien, bien clair de là où on le pose. Et voilà, on remontera par là. Par là, ici c'est de l'eau, vous voyez. Et regardez où est-ce que ça mène. Ça mène à l'entrée... C'est par ici qu'on arrive, souvenez-vous, qu'on arrive dans la partie racine. On a notre petit panneau ici, qui indique donc, tac, les racines. Voilà. Allez, on y va. On va essayer de voir un petit peu à quoi ça peut ressembler. Je suis pas très très bon en design. Ça, on commence à le savoir. Vous savez quoi? Je pense que je vais faire une toute petite ellipse, juste le temps de voir un petit peu à quoi peut ressembler... Oh, allez, vous savez quoi, on va le faire ensemble. Je pense avoir une petite idée. Alors, ce qu'on va pouvoir utiliser, ça va être ceci. Principalement ceci, d'ailleurs. On va utiliser des blocs de bois de deux types. On va utiliser... lequel des deux voulez-vous? Celui-là, il fait sombre en bas. On va utiliser celui-là. Lequel des deux, je prends le dernier.
Et un autre truc un peu plus emmerdant, il est où? Il est dans Redstone, ceci. Et peut-être même celui-là. On est bien? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, c'est pas mal. Déjà ici, on va faire un truc comme ça. Tac. Parce qu'en fait, les passerelles vont être tenues par ça. Donc là, côté design, on est là-dessus. Tac. Hop là. Et comment on va faire? Parce que je ne suis pas très bon, comme vous le savez. Alors là, par contre, c'est moche et je vais être obligé d'utiliser au moins de temps en temps. Ah, attendez. Voilà! Regardez, c'est pas beau ça? Alors, sachant qu'on arrive par là. Hop là, attention, tout doux. On arrive par ici. Et donc, le but étant de tomber directement là. Du coup, en fait, je suis comme un con. Moi. C'est pas là qu'il aurait fallu le faire. Mais ici. Non, je sais pas si ça va rendre bien. Hein. Pour l'instant, c'est plus du test qu'autre chose. Mince. Tac. Oh mais merde alors, j'ai du mal à viser. Hein. Alors, si on arrive comme ça. Tac. Ah c'est pas mal. J'aime bien, vous savez pourquoi? Parce qu'ici on va pouvoir justifier le fait qu'il n'y ait pas de bord. Ce qu'il faut savoir c'est que je laisse le spawn de mob. Hein. Je pense faire une ou deux petites passerelles pour laisser spawner des squelettes, ça pourrait être rigolo. Donc pour l'instant on va faire ça comme ça. Il va nous falloir des escaliers. Alors, les escaliers en. Non, pas en nether brick. C'est Sprud? Non, c'est Dark. Je crois que je l'ai vu, c'est ici. Ça dégage, on s'en fout. Puis on est au bon endroit pour dégager les trucs inutiles. Comme ça. Ou alors. Ah oui, c'est mieux là. Bon, regardez pourquoi je me fais chier, honnêtement. Donc pour l'instant, on fait un design gentil. Ah mais tu m'emmerdes, toi. Pour l'instant, pas de saut. Pour l'instant seulement. Et pour vous, les amis, je vous mets de la lumière qu'on effacera à la fin. Tac, tac. Donc regardez, bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas trop mal, hein, quand même. Hein. Ici, c'est un peu moche, je dois avouer. Donc vous savez quoi? Ça. On va le mettre un peu comme là, mais dans l'autre sens. Tac, tac, tac. Et ici, par contre. Ah, souci. Là, ça marche. On va faire comme ça. Tac, tac. Hop. Je trouve ça très joli en fait. J'ai fait une petite pause ici. J'aime beaucoup. Il n'y a pas grand chose à voir, mais écoutez, on est dans une petite ambiance sympathique ici. Tac. Tac. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Donc, hop. On arrive par là. Par où on arrive. Et on peut pas remonter, hein, vous avez vu? C'est fait exprès. Hein. Tac, tac. Hop. On arrive là. Et là, on va devoir continuer. Et ici il n'y a que dalle, donc c'est très bien, c'est exactement ce que je veux pas qu'on puisse partir. Tac tac. Et vous savez quoi? Bah c'est très bien ça que ce truc là ça bloque, parce que du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire arriver jusque là, on va faire le premier saut. Et on va le faire comme ceci. Tac. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique ça? Alors maintenant, ce qu'on va faire. Alors attendez, on va essayer de voir un peu où est-ce qu'on doit aller, déjà. Moi je veux faire plusieurs niveaux de passerelles. Hein. Il y en a qui vont passer vers le bas, ce genre de choses. Ici, on va sûrement utiliser un peu de liane par là. Mais d'abord, je vais essayer de retrouver par où on va. Je vais remettre un peu de
Lumière, même si ça aide pas grand chose vu que de toute manière on est en dessous, je crois même que ça me semble même plus sombre en fait du coup. Et c'est ici qu'on va, hein, c'est ça? Ouais, c'est là. Donc, je pense qu'on va faire un grand tour. Et après un chemin un peu plus haut pour aller jusque là-bas. Oui, je pense que c'est pas mal, hein, un grand tour par là. Allez, on fait ça. Moi, je veux qu'il arrive là et qu'il saute par là-bas. Donc ça, vous voyez, ce truc-là, je vais le laisser, mais va pas falloir s'accrocher dessus. Ce que je veux faire. J'ai envie de faire un truc chiant. Attendez. Qu'est-ce que je peux faire? Ah bah ça, regardez. Tac, tac. Si on va là. Hop là. Alors. Ouah! Comme d'habitude, je tombe comme une merde. Ouais, là, c'est pas jouable ou alors je suis naze. Tac, tac. Ouais, non, regardez, je crois qu'il n'y a que deux de haut. Quand il n'y a que deux de haut, c'est un peu compliqué. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ça. Yes! Bon, là, c'est possible. On arrive là. On arrive là. J'aimerais bien. Tac, tac, comme ceci. Ici. Et puis, on va faire une passerelle dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oula, attendez. Et me revoilà. Alors, je suis désolé. Un coup de téléphone. À chaque fois, j'oublie de l'éteindre, ce putain de téléphone. Donc, j'en ai eu un, forcément. Et on en était où? On a fait le début. Moi j'aime beaucoup le style, hein. Ça rend vraiment sympathique. Alors là, on arrive ici, on saute ici, et j'ai pas envie que ce soit trop compliqué, donc on va rajouter un petit peu ça. Et on va faire un truc comme ceci. Tac, 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 tac. Alors par contre, oui, je mets un peu de lumière pour vous. Hop. Et on va aller comme ceci. Tac. Et tac. Le problème, c'est que je... Ah non, si, c'est bon, je suis bien. Ah! Ah, j'ai vraiment du mal avec ce truc, hein. Voilà. Nom de Dieu! Alors, on va tester tout de suite un petit peu le saut. Et j'ai regardé un petit peu pendant qu'on était à l'arrêt à combien de minutes on était. Alors là, ça va être emmerdant. Parce que là, ça passe pas. Attendez, là, je suis en train de voler. Voilà, c'est bon. Tac. Ah là là, oui, non, ça va être emmerdant. Je fais un dernier essai, mais à mon avis, ce saut-là, qui n'est même pas un saut, ça risque d'en faire rager plus d'un si je le laisse. Allez, on remonte gentiment. Tac. Attention. Et non, c'est pas bon. C'est pas bon. Il va falloir trouver une solution, les amis. Les amis, la solution, c'est d'aller par là. Comme ceci. Et normalement, si je ne me trompe pas, et vous savez tous que je ne me trompe jamais, on va passer par là et... Raté! Allez, simplifie encore un peu. Et puis là, ça devrait passer. Touc. Ah mais merde. Allez, attendez, vous savez quoi? Merde, comment on fait? Peut-être avec un peu de poussière d'os. Bonne. Ça fait quoi si je fais ça? Et voilà. Magnifique. Merveilleux. Superbe. Et là, normalement, on devrait descendre moins vite. Je suis vraiment naze, hein, c'est pas possible. Bon, on va continuer à aider un petit peu les gens. Merde. Tac, comme ceci. Je suis désolé. Hop. On est arrivé. Ça, c'est bon. On fait ça. Tac. Bon, alors du coup c'est hyper simple. Mais c'était ça. En fait je l'ai fait un petit peu trop haut ce truc je pense.
Bah écoutez, tant pis, c'est un petit peu trop, c'est un petit peu trop. Ça fait une partie facile, c'est pas hyper dramatique. Ici, de toute manière, on peut pas y arriver par là, donc on est obligé de passer par là. Tac, tac, tac. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis en train de me dire que, qu'est-ce que je vous l'ai dit, oui, on était à peu près à 11 minutes. Je pense qu'on va passer en avance rapide, parce que sinon, on n'aura jamais le temps de tout faire en un seul épisode. Ici, vous savez quoi, on va mettre ça comme ceci. Et celui-là, il va rester. Tac. Et par où on va, les amis? Par où on va? Bon, écoutez, de toute manière, je passe en avance rapide, je vais pouvoir réfléchir tranquillement. Et puis, je vous fais ça, et on se retrouve après. Hop là! Alors ça y est, c'est fait. Donc je vous remonte un petit peu, vous avez vu en avance rapide. Je sais pas si j'aurais coupé, ça m'a pris un petit peu de temps. On reprend du début, les amis. On laisse un petit peu de lumière pour l'instant. Et on arrive au début ici. Alors on va essayer de le faire ensemble. Alors on arrive là, hop, hop. On a un premier saut ici à faire. Si on se fait avoir ici, on meurt. Mais si on a un petit peu... Hop là! Hop, hop, c'est parti. Si on regarde un petit peu en l'air, normalement on devrait survivre. Tac, comme ceci. Ici, on monte ici. On se lâche là.
Voilà, ici on peut aller nulle part. On va aller comme ceci. Papapac. Alors ici, est-ce qu'on peut passer? Hop. 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 Attention tendue. Et raté, raté, raté. Je vous ai dit que ce serait dur, je vous garantis pas que je réussisse tous mes sauts du premier coup. Hop là, c'est parfait. Ici, il n'y a rien. Ici, on monte. J'ai mis des petites échelles histoire de dire qu'il y a des gens qui passent de temps en temps. Tac, ça monte par là. Ici, ça ne sert strictement à rien. Mais on peut le laisser, pour la limite. Pourquoi pas. On mettra peut-être un... un checkpoint. Ici, on va descendre. Tac. Tac. Hop là. Un petit truc tendu ici. Un autre petit truc tendu ici. Ici, on saute encore. Oh là là. Alors, ça, ça me gêne. Est-ce que... Ouais, bon, on va le laisser, vous savez quoi. Tant pis. Là, je me suis fait avoir par mon propre piège, les amis. Ici, on a donc... Tac. En fait, il suffit de courir normalement. Voilà. Là, j'ai pas testé, mais je pense qu'on doit pouvoir atteindre là-bas. Hop. Hop. Et on y arrive. Merveilleux. Voilà. Donc, voilà, notre petite... notre première partie, disons, du... de notre petit test de saut, quoi, est terminée. Donc ça, c'est pas mal. Je sais pas à combien de temps on en est de vidéo pour être franc, parce que les avances rapides, du coup, c'est un petit peu complexe. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va remettre un petit peu le jour, merci. On va regarder un petit peu par où on doit aller pour atteindre la sortie. C'est ici la sortie. Alors ça, ça m'emmerde du coup que ce soit là la sortie, parce que je me suis un peu mal géré sur le coup. Je pense qu'on va passer à un moment au-dessus, quelque part où on ne peut pas aller normalement. Mais pour l'instant, on va mettre notre petit coffre. Comment on va faire? Je pense qu'on va... Ouais, on va faire remonter par là. Ici, on va juste faire une pièce avec le coffre. Touk, 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 touk. Hop là, non. Je veux que ce soit fermé par ici. Alors, c'est le bâton de l'équilibre, rappelez-vous. Donc on va mettre notre coffre ici. En classique, hein, y a pas de secret. Pouf. Ben on va créer notre bâton, vous savez quoi. Alors c'est parti. On va faire en ville. Est-ce que c'est bien bâton de l'équilibre? Je crois. Hein. Bon, si jamais je changerai plus tard. Donc on prend un stick. Alors j'hésitais, pour être franc, entre ces deux-là. Mais je me dis que ça, le stick a plus de classe au final, dans le sens où c'est un objet magique, mais il n'en a pas l'air. On va l'appeler, on va pas mettre d'axon. Donc, bâton de l'équilibre. Paf. On va faire des copies pour nous pour plus tard. Et on va le ranger là-dedans. Tac. Alors, je mettrai, je ferai en sorte que quand on meurt, on ne perd pas les objets, hein, évidemment. Ça, ça dégage. J'aimerais bien faire un petit peu de déco par là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Ça. Désolé pour la lumière. Et on a le bâton de l'équilibre. Un petit truc histoire de rendre ça joli. On va aller dans les laines, par exemple. Mieux. On va faire un bloc de diamant. Si la personne le souhaite, elle le récupère. Voilà. C'est pas mal ça. Je pense que c'est pas mal. Ça fait un peu cher quand même. Le bloc de diamant, je suis en train de me dire. Du coup, vous savez quoi? On va faire un bloc d'émeraude. Tac. C'est quand même plus sympa. Et par contre, ce qu'on peut faire, c'est des trucs comme ça autour. Des diamants or. Redstone, on s'en branle. Oh, allez, redstone, si, ça peut être rigolo. Et un petit peu de
Émeraude or. Voilà. 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 On va mettre deux de chaque. Voilà. Voilà. Surtout de l'émeraude, en fait, ça rend bien avec le vert. Vous trouvez pas? On va mettre un rouge quand même. Là. Tac. Non, pas celui-là. Parce qu'il va se voir de dehors. J'ai pas envie qu'on voit de dehors. Bon, écoutez, c'est pas mal. Émeraude, on a combien? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ici, on en a 9 de plus. Donc, ce qui nous fait un total de 4 plus 9, 13. C'est bien. C'est vraiment pas mal. Écoutez, moi, ce que je fais, je vais regarder à combien on en est de vidéos. Moi, j'ai envie de finir ça dans cet épisode-là. Je suis désolé, c'est un peu plus long du coup. Je pense que je vais tout faire hors caméra pour la fin, un petit peu comme j'avais fait quand on avait fait le chemin vers la cime. Je fais la sortie hors caméra et ensuite on fait la fin. Enfin, je vous le montre ensemble. Enfin, on se le montre ensemble. Et puis, je vous dis à tout de suite, on clôturera là-dessus. Et je vous reprends, ça y est, j'ai terminé. Alors, on en était où? On en était là. On venait de gagner notre magnifique bâton de la vérité. Pas de la vérité, pas du tout. Notre bâton de l'équilibre, car nous en avons bien besoin. Et on va sortir. La question que je me pose déjà, parce que j'ai pas tout testé là. Oui, c'est possible, voilà, très bien. Donc on va le faire ensemble, tac, tac, tac. Ici c'est facile, ici on va là. Donc voilà, ça fait une espèce de lustre, j'aime bien le style. Là normalement il n'y a même pas besoin de sauter, mais bon, en tout cas c'est faisable, je l'ai fait tout à l'heure sans sauter. Ici, on va arriver là, touc. Oui, alors oui, tenez, vous savez quoi, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc, comment faire un spawn, c'est extrêmement simple. Et du coup on va le faire ici, à flûte. On va pas le faire ici. Toi tu te replaces là. On va le faire ici. Là c'est bon. Alors comment faire un spawn point? Pardon, je suis en train de vous dire le résultat. Attendez, on va le mettre comme ceci. Comme ceci. Comment faire un checkpoint, pardon. Un checkpoint, je l'ai déjà noté. Regardez, c'est hyper simple. Donc, vous faites un spawn point. @p, donc je vise la personne la plus proche. Alors le P il est là, target nearest player. Et ensuite je lui donne les coordonnées. Alors là c'est un spawn point que j'ai fait juste avant. On va par exemple prendre ces coordonnées là. Alors on va prendre F3. J'ai un petit peu du mal. F3, on est 3, 15, moins 5. Hop, on va mettre 3, 15, moins 5. Donne F3. On va faire ceci, un magnifique bouton. Tac, et ici quand je clique là, le step spawn point, et on va mettre, on va sauter. Et pouf, on meurt. Magnifique. Tac. Superbe. Par contre. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Je devrais peut-être améliorer un petit peu plus tard. Par exemple, mettre une couleur différente, mettre un panneau. Pour l'instant, on n'en est pas là. Je ferai ça hors caméra. C'est pas bien méchant. Mais on en était où? On en était là-bas. Tac. Je faisais mon saut à partir d'ici. Ça marche très bien ici. Ici, bon, voilà, c'est dur. Hein. C'est pour ça qu'il y a un petit checkpoint. On arrive là. Allez, hop, avance. Ici, hyper simple. On arrive à la fin un petit peu de tout ce qui est difficile. Parce que tout ça, on peut le bouger. Hein, donc, c'est hyper simple. Je laisse un petit peu moche, histoire de dire. Ici, c'est mortel. Hein. Tac. On arrive ensuite ici. Alors, je vous montre un petit peu où c'est ici. C'est le début, en fait. Quand on va arriver au début des passerelles, on va pouvoir, en arrivant par là, se rendre compte qu'il y a quelque chose en haut, mais on va pas pouvoir y aller. Et le truc sympa, très très sympa, voilà, c'est que les spawns vont, les mobs vont pouvoir spawner. J'ai vraiment du mal à parler. Les mobs vont pouvoir spawner ici et donc faire un petit peu chier, c'est rigolo. Et puis j'aime bien, hein, faut pas oublier que là on est proche d'un objet, hein, des quatre objets. Donc voilà, ici ensuite on arrive, donc on était là-haut, tac, on avance.
Tac, tac. Hop là, j'avais oublié ce piège encore. Je me fais avoir par mes propres pièges. Ah, faut courir. Et je réussis pas à courir. Je suis vraiment naze, je suis désolé. Hop, voilà. Yaouh! Hop là, c'est bon. Là, il y a encore un autre petit piège. Touc! Ici, on arrive là. On a la sortie en haut. Hop! Hop! Et enfin, on n'a plus qu'à atteindre la flotte. Et on remonte tout en haut. Et voilà! Bon, bah écoutez. On a enfin terminé, vraiment pour de vrai cette fois-ci, on a terminé les racines. À part si je pense à autre chose, on a un petit parcours sympathique. Honnêtement, je l'aime bien, je le trouve vraiment stylé. C'est exactement ce que je voulais, un petit peu de bois, un petit peu de liane, un petit peu de tout. Je suis vraiment très très content. Maintenant, moi ce que je vais faire, je vous ai pas montré l'autre point de l'autre checkpoint que j'ai mis. Je l'ai mis ici. Hop. Ici, ce que on était en mode caméra quand. Ouais, c'était en avance rapide ici. Ici, c'était. On arrive ici, c'est un coin tranquille. Ici, je mettrai également un checkpoint, je vais le noter. Donc, c'était le bloc que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, voilà. Bon, les amis, je pense que là, on va se laisser. Je sais pas combien de temps dure la vidéo, mais je pense qu'elle risque d'être un petit peu longue. Le prochain épisode, qu'est-ce qu'on fait? Pour être franc, j'en ai un petit peu aucune idée. Qu'est-ce qu'on peut faire? De toute manière, on va commencer. Je pense qu'on va commencer autre chose. Un des trois autres objets. On verra. Écoutez, c'est la surprise. J'en ai aucune idée là tout de suite. On se laisse sur une vue de ce petit truc-là. J'avais juste un dernier truc à tester. Vérifier qu'en arrivant ici, on ne puisse pas atteindre le lieu là-bas. Même du plus haut possible. Ce serait de la triche. Ce serait pas drôle. Ah! Voilà. Attention, on peut pas. Allez, bye bye tout le monde. Si je connaissais le con qui a fait sauter le pont. Hop, on est au niveau des nuages. Oula, au niveau des nuages. Et voilà, je suis tombé, magnifique. Ça a fonctionné, on va regarder un petit peu rapidement. On a notre épée qui s'appelle maintenant l'épée de la vie, qui doit être maintenant une loutille. Regardez, loutille enchantement level 50. Donc on va tuer, il y avait des lapins. On va les tuer, regardez, on va tuer un lapin, je sens qu'on va avoir plein de loot. Attendez. Petit souci avec mon écran. On va avoir plein de loot. Tac. Voilà. Alors là, on est bien, hein. 32 rabbits, rabbits foot. Donc là on est pas mal, le looting ça marche bien. Qu'est-ce qu'on a? On a bonjour les amis, c'était bonsoir je crois le titre. On a bonjour les cochons et en plus de ça si on regarde...